Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, alors là, mesdames et messieurs, sachez que ça va, mais je me demande à quoi joue le soleil. C'est du grand n'importe quoi. Le soleil dans le sud, là, il a clairement changé d'objectif. Il est en mode barbecue. Hein? Il veut nous griller. Alors qu'avant, dans l'histoire, le soleil était considéré comme quelque chose de divin. Lorsque le soleil montait, tout le monde était là. Oh, soleil! Oh là là! Ils faisaient des sacrifices carrément pour le soleil. Aujourd'hui, quand il y a du soleil, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent tout nus. Vous voyez, je veux bronzer. Voilà. Et le soleil, maintenant, il a vu ça et il commence à se rapprocher. Tu te rends compte de la dinguerie? Donc, on est en train de vivre un soleil pervers qui tente de venir nous toucher, nous caresser, alors qu'il oublie qu'il peut littéralement nous brûler. Hein? Il fait actuellement 38 degrés dans le sud. Hein? Zone rouge. Mais non, c'est pas zone rouge, c'est zone grillée. Quand tu vas sur la route, tu regardes la forêt, tout est calciné. Hein? Non, mais tu veux pas nous faire ça à feu doux? T'as décidé de tous nous cramer. Hein? Donc tout le monde va devenir noir. Hein? Tout le monde va devenir noir dans le monde entier à cause du soleil. Eh ben voilà, tu te rends compte, t'es raciste. Hein? Et tu deviens la couleur de peau que tu détestes le plus. Ce serait pas une dinguerie ça, que tu sois raciste, des jaunes, des marrons, des rouges, de tout ce que tu veux. T'imagines? Ça, c'est une bonne chose. Tu parles mal d'une communauté et le soleil va s'occuper de toi pour te faire devenir membre de cette communauté. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, j'aime pas les noirs, je m'aime pas non plus. Grâce au soleil, là, on peut se dire que franchement, c'est monumental ce qui est en train de se passer. La France, apparemment, n'a jamais connu une telle chaleur. C'est ce que disent les médias menteurs, voleurs, arnaqueurs. Alors que si tu regardes l'histoire, oh là là, la grande sécheresse est déjà passée par là. Mais bien sûr, plus d'agriculteurs qui peuvent planter ne serait-ce qu'une pomme de terre. Tu plantes le truc, boum, ça crame. Et là, c'est ce qu'on va voir encore une fois. Donc, mesdames et messieurs, buvez de l'eau chaude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, bois de l'eau fraîche. Non, l'eau fraîche, ça réchauffe. Fais comme les Touaregs qui vivent, hein, littéralement dans le désert et qui sont habillés. Hein. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent du thé chaud toute la journée. Le corps se réchauffe plus chaud que le soleil. Enfin, plus chaud que le soleil, plus chaud que la température d'ici. Et ça rafraîchit. Donc, n'oubliez pas de bien vous hydrater. C'est important parce que là, si tu prends n'importe quoi, ce que le soleil est en train de faire, là, c'est clairement devenu un pervers. Il veut descendre nous toucher.